Soyez le bienvenu, fidèle téléspectateur de CSS Télévision, les reflets de tout un peuple, la chaîne de vainqueurs, la chaîne d'excellence. Vous êtes là dans les cadres de votre émission Duel, le rendez-vous de chaque jour à partir de 11h, rediffusion 22h. Nous vous disons merci car mes invités, comme annoncé, dans les réseaux sociaux, ils sont déjà ici avec nous. Nous avons l'honneur de recevoir encore une fois de plus, messieurs, India Omari, il est au cadre du PPRD, il siège également avec la comité stratégique pour voir le plan, comment faire, comment booster ces partis politiques. Monsieur India Omari, soyez le bienvenu. Merci, Défunt. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre Merci invitation. également au professeur Omerunga, que j'ai vu il y a longtemps. Je ne sais pas si il a fait la transhumance ou bien il est dans comme les autres. C'est un ancien de FCC, donc d'abord de l'AMP, majorité présidentielle, MP et puis FCC. C'est pas là Il où il fallait est me laisser le actuellement. présenter comme ça, vous allez comprendre qui il est au lieu de me précéder. Voilà. Il y a le professeur Omeonga Onakundu, Jean, prof ordinaire, département de RI, Unikine, directeur du Centre de recherche des géopolitiques, géostratégiques et développement durable, Unikine, ancien CG du PRP. Voilà, il est là avec nous comme scientifique. Professeur Omeonga, prenez le micro. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphine. Et je salue aussi mon ami jeune frère Romaric. Nous avons effectivement, il a raison, nous avons évolué depuis longtemps politiquement. Hein, et c'est vraiment un ancien allié. Et que je n'ai pas fait la transhumance, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut appeler. Mais si on ne veut plus de toi, il ne faut pas aussi forcer pour les choses. Ouais, je crois que dernièrement, je vous ai dit que quand je suis parti pour les soins médicaux à Paris, et que j'ai eu un problème d'enfant qui était décédé. Et à ma grande surprise, le président, que je respecte beaucoup, a nommé une autre personne à ma place. Alors qu'est-ce qu'il voulait que je fasse, mon mari? Il a nommé une autre place avant une autre personne. Il semblerait, j'ai demandé des raisons, il a souhaité mettre quelqu'un de confiance et quelqu'un chez lui, semblait-il. Semblait-il. Hein? Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais eu la notification. Je n'ai jamais eu le président au téléphone pour m'expliquer ce qui s'est passé. Et je n'ai jamais eu. Le président de la République. Non, pas le président de la République, le président du parti. Ah, Le président du parti. On ne va pas dire Denis Casson. Du parti, je parle du parti ou du Ah, PRP. ok. Oui, du PRP. Parce qu'il a nommé quelqu'un d'autre à ma place, alors que j'étais à Paris en DAE et en soins médicaux. J'ai demandé Sa main, vous consultez, vous Non, étiez non, 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 surpris. non, 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 je n'ai rien jusqu'à aujourd'hui. Administrativement, vous avez écrit avant Non, le non, non, je ne déplacement. peux pas écrire parce qu'il ne m'a pas notifié ni me parler au préalable pour demander la démission. Directement, on m'a envoyé à Paris sa décision, qui est remplacée par M. Bayenza Jules, et j'ai demandé d'aller. Comme il n'y avait pas quelque chose d'officiel, j'ai demandé d'aller informel. C'est d'aller fermer, comme il dit que non, papa souhaitait mettre son frère et quelqu'un de confiance. Voilà. Donc, moi aussi, pour des raisons de fierté et pour des raisons d'éthique, je ne pouvais pas me confronter avec le président qui a pris sa décision. Voilà. Merci. Si aussi Donc, vous avez préféré que je termine, vous allez relancer. Sur ce, vous avez préféré de faire la route seule. Exactement. Présentement, vous êtes scientifique, vous êtes dans l'Union Non, pour sacrée, vous l'instant, êtes non. une personnalité. Oui, une personnalité pour l'instant, et je suis scientifique, comme vous m'avez présenté. J'ai fait mes recherches scientifiques, je donne mes enseignements à l'Université de Kinshasa et ailleurs, et que pour l'instant, je n'ai pas encore un engagement politique après qu'on m'ait fait partir du PRP. Alors donc, pour l'instant, je suis Donc, scientifique. vous êtes ouvrable, si on vous tend la main, vous pouvez Exactement. Non, 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 non. apprécier l'offre. Non, non, tout à Si on fait. vous tend la main, vous pouvez apprécier l'offre. Tout à fait, tout à Merci. fait. Ça, c'est, je suis libre d'esprit maintenant parce que je ne pouvais pas, comme je l'ai dit, la décision était tombée et qu'on n'a pas consulté comme un grand garçon. Micro. Alors que j'ai beaucoup servi, comme il l'a dit lui-même, ça fait longtemps, un parcours très sérieux. Très élogé. Merci. Excusez pour la curiosité. J'aime le professeur Omeonga. Il fait la fierté de beaucoup d'internationalistes. OK.
C'est un géostratège, comme nous appelons dans notre lexique. Mais il a fait les Sciences Po. Il maîtrise l'administration. Il est secrétaire général. Il a été secrétaire général. Je crois que pour tout déplacement d'un secrétaire général à Séran, comme membre du bureau politique, il doit écrire au président du parti pour l'informer de son déplacement par rapport à un problème. À une circonstance. Je voulais savoir si le professeur Omoyanga, qui nous enseigne, nous, les principes de l'administration, vous savez, vous n'allez pas faire les Sciences Po si vous ne maîtrisez pas l'administration. Et je pense que non, c'est lui, le professeur, c'est lui l'enseignant, notre enseignant. Nous, nous ne sommes que des chercheurs. Lui, il est même, si vous le lisez, il est dans les corps académiques. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre l'université, qui est un grand monde, un monde de découvertes, un monde où on appelle l'univers, où il y a un personnel, un corps scientifique, il y a un corps académique, il y a aussi un corps administratif. Mais il est dans un corps académique. Et aujourd'hui, il pilote à l'université de Kinshasa, qui est tout un département des relations internationales. Il est chef de département. Ce n'est pas n'importe qui. À l'université, quand vous devenez chef de département, ce n'est pas n'importe qui. C'est le haut sommet. Oui. Donc, est-ce qu'il a écrit? Voilà. Cette question, il va répondre quand je vais juste, lui donner la parole. Vous voulez répondre? Oui, juste un moment. Les circuits administratifs étaient respectés. J'avais laissé un intérimaire. Et que j'ai écrit un courrier. Il est en train de vous répondre. Il a dit tout simplement que j'ai informé les autorités supérieures hiérarchiques du parti que j'ai parti à Paris pour les soins. Par un courrier administratif. Moi, j'ai dit, j'ai informé par un courrier administratif. Quand vous parlez un courrier, ce n'est pas dans un petit papier comme ça. C'est-à-dire que vous m'avez dit que j'étais secrétaire général. C'est sous les papiers avec des emblèmes où j'ai adressé mon courrier et j'ai laissé des copies réservées à qui des droits. C'est ça. Et j'ai laissé l'intérim et ça comme ça. Voilà, merci professeur. Bon, je reviendrai prochainement. Voilà, excusez. C'est pas notre débat, s'il vous plaît, mais c'est une marée. Je te donne le circuit administratif. Merci. Respect. Voilà, ne perdons pas les tensions. C'est mon souci d'ailleurs. Voilà, ne perdons pas les tensions. On ne perd pas les temps. S'il vous plaît, monsieur Indiomari, ne perdons pas. S'il vous plaît. Beaucoup d'élégance. Je suis en train de conduire l'émission. Permettez à ce que les gens puissent bien vous cadrer, s'il vous plaît. Évoluons avec l'actualité. Comme annoncé, nous allons tenter un peu de décrypter les grandes lignes d'actualité en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'il y avait l'arrivée du secrétaire d'État américain sur les sols congolais, M. Anthony Blinken. Il était là avec nous. Il y a ceux qui pensent que la diplomatie du régime du Tshisekedi est-elle productive? On essaye de trouver des solutions par rapport à cette question, comprendre le rouage, est-ce vrai ou pas? Je commence par monsieur le professeur Omeunga, vous êtes chef du département. Ancien chef du département honoraire, j'ai fait 6 ans au département. Merci. Et quand, en devenant vieux, il faut laisser aux jeunes. Merci, merci. Est-ce ce qui pense que la diplomatie du régime actuel Tshisekedi est productive? Vous êtes dans ce rouage. Pensez-vous qu'il y a les avancées? Vous savez, bon, avant de répondre à votre question, il faut que, comme vous m'appelez enseignant, il faut faire un peu la nuance près entre la politique étrangère et la diplomatie. La politique étrangère, c'est des grandes options d'un État vers l'extérieur. Et la diplomatie, c'est l'instrument pour au moins faire la mayonnaise de ces orientations-là. Et la diplomatie est toujours liée à un régime quelconque.
C'est pourquoi moi je dis, bon, moi j'ai dans un régime, par exemple, de M. Kabila, dans un régime de Moïse Laurent Désiré Kabila, dans un régime du président Mobutu, vous allez voir que chacun avait manipulé la diplomatie par rapport à sa vision. Vous voyez ça, c'était un instrument. Alors pour dire que, bon, pour Monsieur Lazic, je ne vais pas voir la photo de l'ambassadeur. La diplomatie de M. Tshisekedi, je crois qu'il y a des bonnes choses. Il y a des choses que j'ai toujours décriées depuis longtemps quand vous m'avez reçu pour la première fois. Mmh. Des très bonnes choses qu'ils ont faites parce qu'il a ouvert quand même le pays à tout au monde. Ça dit que, sans exclusion, ça dit que bon, je ne veux pas des États-Unis, je ne veux pas de la Russie, je ne veux pas des pays émergents, je ne veux pas de pays africains. Il a ouvert le pays à tout le monde, donc les pays infréquentables. Mmh. C'est une bonne chose dans le sens de faire vivre la diplomatie. Et dans le principe, il a appliqué ce que nous disons un réalisme diplomatique. C'est-à-dire qu'il a fait sa diplomatie en fonction des réalités en face. Okay. Et deuxième chose, je crois que on va voir si le principe d'indépendance est en train d'être respecté, parce que c'est un élément important pour qu'on respecte le principe d'indépendance. Mais il faut voir aussi, là où j'ai toujours crié, c'est les rapports des forces. Pour dire que, bon, je crois que, pour dire en gros, je crois que il y a des éléments très très positifs, mais j'ai toujours décrié qu'il faut qu'on sorte un peu du classisme pour entrer dans d'autres formes de diplomatie moderne. Mais dis-moi, il y a les avancées. Oui, exactement. Merci. La même question à M. India Omari. Vous avez suivi ensemble avec nous l'actualité, l'arrivée de ce secrétaire d'État américain. Est-ce un apport de plus à la diplomatie du régime Tshisekedi? Bon, écoutez, d'emblée, je voulais vous demander une clémence. La clémence, c'est que vous avez relancé quelque chose que vous êtes vite passé. Vous avez posé une question importante au professeur. Malheureusement, vous ne lui avez pas laissé le temps de broder sur la question elle-même. Parce que si vous pouvez nous excuser que aujourd'hui qu'on parle science, qu'on se débarrasse de la politique politicienne, qu'on essaie un peu de lancer un défi par rapport à notre thématique, qui est très importante. Mais le professeur vient de dire tout à l'heure la diplomatie. Okay. Nous appelons en relations internationales les actes, il a dit, la diplomatie est différente de la politique étrangère. Mais la diplomatie suit la politique étrangère. C'est un instrument de la politique étrangère. Mais la diplomatie signifie quoi? Signifie une représentation d'un État ou d'un pays à l'étranger. C'est ça la définition, si vous allez, très simple comme l'eau à boire. Et vous pouvez recourir à la documentation sur la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Vous pouvez aussi recourir à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Donc, pour savoir, aujourd'hui, quelle est la conduite du pays? Vous pouvez comprendre la conduite de notre pays au travers les axes de la politique étrangère. Qui n'est pas appliqué? Qui n'est pas appliqué aujourd'hui? Si vous me dites aujourd'hui que non, la diplomatie avance, elle avance par rapport à quoi? Alors, s'il faut recourir à la définition, sa définition. Mais il faut faire la différence entre une diplomatie structurelle et une diplomatie ad hoc, qui est une diplomatie de plénipotentiaire. Dis-moi, qu'on a réchauffé la diplomatie à quel niveau? Sur le plan technique, sur le plan structurel. Aujourd'hui, les ambassades sont quasi... les ambassades ne fonctionnent pas convenablement. La diplomatie ne passe pas par des canons, je peux dire, doctrinaires ou par des canons, diplomatiques, qui sont les représentations diplomatiques. Ne passe pas. Ce n'est pas le fait de voyager qui va faire à ce qu'on réchauffe, qu'on arrive à une diplomatie agissante, ou qu'on réchauffe. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la diplomatie. La diplomatie, professeur, c'est aujourd'hui
Avec la technique actuelle, la diplomatie se fait par des points focaux. Nous sommes aujourd'hui pratiquement dans un circuit fermé. Les choses n'avancent pas. Parce que, regardez, le président est arrivé. Quel est le seul investisseur qui est venu mettre, investir dans ce pays? Parce que quand il va expliquer aux investissements, aux investisseurs, il va avec, pour qu'on sente effectivement que non, pendant 4 ans, on a vu un boom. On a vu des grands investisseurs américains, on a vu des grands investisseurs français, on a vu des grands allemands. Ils sont venus, ils ont commencé le travail. On a senti que non, aujourd'hui, on a réchauffé pratiquement nos relations avec les seigneurs. Nil ne va. Merci. Écoute, le pays a 9 pays qui l'environnent, qui l'entourent. Les 9 pays limitrophes. Oui. Les pays quel est le pays qui est en adéquation avec le Congo? Depuis que le président est là. Quel est le pays aujourd'hui dans une situation, ce pays-là peut intervenir pour nous? Je me rappelle, il est là, à l'époque de Mzé. Il a travaillé avec nous, dans ses desks. Lui, le professeur, il a travaillé avec Kabila dans les desks. Il a vu comment nous sommes arrivés à apprivoiser la SADC. Quelle est la vocation? Professeur est là. Quelle est la vocation de la RDC sur le plan diplomatique? Notre vocation. Merci. Nous sommes où? Nous sommes dans plusieurs organisations sous-régionales. Mais quel est l'impact de notre adhésion par rapport, par exemple, à toutes ces organisations sous-régionales? Merci. Parce qu'on multiplie les organisations au moment où, à un certain moment, on ne trouve rien. Merci, on monsieur Ndiomaré. Merci, monsieur Ndiomaré, pour cette pertinente réaction. Alors, professeur Omeunga, parce que vous êtes enseignant, nous voulons savoir, monsieur Ndiomaré a laissé des questions très questionnantes. Quelle est la différence, faites-vous, entre la diplomatie structurelle, la diplomatie ad hoc? En quoi le pays s'est ouvert aux autres? Oui, mais bon, ce n'est pas... Je ne peux pas répondre à des questions comme ça, c'est parce que je ne suis pas dans un auditoire. Mais c'est que je voulais dire la première chose. Dans le public, hein, vous non, non, je, oui, mais je voulais dire, je voulais dire tout simplement que les enfants qui me suivent à travers votre télé savent très bien, parce que ce sont cours que je donne depuis au moins 25 ans. Donc la première chose, c'est que je n'ai pas dit que la diplomatie est différente de la politique étrangère. Je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire que j'ai dit tout simplement... Un instrument. Et voilà, merci beaucoup, un instrument. C'est-à-dire que c'est la même famille, mais il y a... Le premier, ça dit que la politique étrangère qui conçoit et la diplomatie exécute. C'est ça. Voilà, je suis d'accord, mais il n'y a pas une différence. C'est comme la géostratégie et la géopolitique. Okay. La géopolitique et la géostratégie, c'est la même famille et que c'est la même famille. Mais les concepts s'apparentent. Voilà, justement. C'est comme la négociation et l'intégration. Ce sont des concepts de la coopération internationale. Ça dit que je voulais dire tout simplement. Mais c'est déterminé. Voilà, justement, que vous notez c'est de finalement la finalité, tout simplement. La diplomatie est là pour exécuter, l'autre est là pour concevoir. Donc, c'est la même famille, c'est comme la géopolitique et la géostratégie. La géostratégie, on exploite l'espace pour des faits militaires, et que la géopolitique, on exploite l'espace pour des faits politiques, culturels, tout ça comme ça. Et deuxième chose... Et économique dit, aussi. Bon, oui, donc on parlait d'ad hoc. Ad hoc, c'est une diplomatie qui est ponctuelle. Okay. C'est ponctuel. Structurel, c'est ce qui est classique, comme l'a dit, les structures, les représentations, de tout à ce sens-là. Bon, moi ici, je voulais tout simplement de l'avancer, et je ne voulais pas aussi dire, parce que la politique étrangère de la RDC, parce que ce n'est pas le moment, je peux l'expliquer, c'est-à-dire que nous avons trois principes fondamentaux. Et c'est très bien. Nous avons le bon voisinage. Okay. Nous avons la vocation africaine. Et nous avons l'ouverture au monde. C'est dans ce sens-là, comme nous étions, comme il a dit bien, dans l'époque de Kabila, moi j'ai toutes les affaires étrangères. La première chose, c'est que chaque vision des chefs de l'État, c'était de régler tous les conflits avec les pays frontaliers. Les pays limitrophes. Limitrophes, c'est frontalier, effectivement. Okay. Nous avons 9 pays frontaliers. Et deuxième chose, il fallait, par rapport à nos déterminants géopolitiques, c'est-à-dire la position centrale, les ressources naturelles, nous avons cette vocation de donner à l'Afrique et de recevoir aussi à l'Afrique. C'est mon cadre de la vocation africaine de la RDC. Et deuxième chose, ouverture au monde, c'est dans ce sens que nous devons s'ouvrir à tous les pays sans exclusion.
C'est-à-dire que c'est ça que j'appelais dans le sens que, actuellement, je pense, et il a conduit les Pâques, quand il est arrivé, M. Tshisekedi, d'abord il a été élu, bien que les lits a été préparé, parce qu'en partant, nous avons laissé le SADC dans ce sens, de l'Union africaine, dans le bon sens. Et il est allé directement, il a été président. Et deuxième chose, il a essayé, lui aussi, de régler certains conflits avec les pays frontaliers. Il a fait des voyages pour faire ça, et que nous avons un problème avec un pays, un seul pays, ça suppose qu'il y a des avancées. Et deuxième chose à l'Afrique, je crois qu'on participe, il est là partout, et que, et je pense qu'il était à un moment donné président de l'Union africaine, je crois, et ça c'est une bonne chose. Et à travers le monde, il est présent maintenant à la RDC. Il est présent. Nous n'avons pas de problèmes avec les États-Unis. Parce qu'à un moment donné, quand nous étions avec Schengen, il connaît très bien que nous avions des problèmes avec Schengen, nous avons des problèmes avec la Belgique, et puis de suite. Mais lui, quand il était arrivé, il a essayé de régler autrement cet instrument diplomatique en ramenant la Belgique, la Schengen et d'autres pays. Est-ce que ce n'est pas sous le plan de la forme? Est-ce qu'il y a les retombées? Non, non, j'arrive. J'arrive. Et deuxième chose, parce que ça, c'est professionnel. C'est-à-dire que on ne peut pas faire la diplomatie sans les moyens conséquents. C'est comme la défense. Vous voyez, entre la défense et la diplomatie, c'est la complémentarité. On ne peut pas faire la diplomatie si nous n'avons pas de moyens. Ce qui est important, ce n'est pas le voyage. Ce sont les gens, les qualités des gens qui voyagent avec les présidents. Qu'est-ce qu'ils en font? Son équipe, son entourage. C'est très important, parce que je voulais terminer à Omari en disant que ce n'est pas en parlant de beaucoup de voyages du chef qui est un problème, parce qu'il doit voyager, il doit vendre intelligemment le pays. Il doit présenter la République à travers le monde. Mais maintenant, il faut des vrais techniciens qui doivent... Faire un bon casting. Ah ouais, voilà, pour dire ça. Et vous m'en venez vous dire que non, au niveau de retombées. Je crois qu'à chaque fois, les négociations, quand on négocie, ce n'est pas qu'en revenant que les gens te suivent. C'est pourquoi nous avons, j'ai vu dans ses discours, dans moi je parle des principes, il parle des principes de la diplomatie de développement, les diplomates de chéquier, c'est-à-dire que dans perdu tout voyage voudrait aller chercher les marchés pour au moins au bénéfice du peuple congolais. C'est un élément important. C'est une sémence. Hein. Oui, donc, oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, par exemple, quand on négocie ou on coopère, par exemple, pour tel aspect, et qu'à 2 mois, 3 mois, et ça revient. Ça peut faire, quand vous faites une coopération avec les États-Unis, c'est un pays qui doit étudier à plusieurs niveaux avant de prendre la décision d'envoyer ou de faire quelque chose. Donc il ne faut pas attendre à 2 mois, 3 mois, 6 mois pour vous parler des retombées. Mais ce que j'ai toujours décrié, peut-être on va arriver, c'est tout simplement qu'il ne faut pas qu'on reste dans cette diplomatie classique. Merci. Parce que on n'a pas de retombées de ce côté-là. Merci de nous avoir invités. Je vous redonne directement la parole. Il a expliqué, il dit oui, la diplomatie, ok, mais il ne faut pas attendre les retombées. Comme vous, le FCC va tomber directement, peut-être avec le temps, ça va venir, mais du moins, il y a la volonté, il y a les avancées, il y a les chefs d'État se présentent un peu partout. Il a vendu la RDC, maintenant a une image internationale, on peut dire ainsi. Écoutez, l'exercice que je viens de faire, parce que s'il s'agit du professeur Omeunga. Alors, vous savez, c'est de partir de la politique politicienne à la science, c'est deux choses différentes. Vous savez, le professeur était en difficulté. Il a fallu, à un certain moment, qui se débarrasse de la politique pour parler de la science. Effectivement, je vous ai dit que nous allons parler de la science. Vous savez, il s'est retrouvé. Pourquoi je suis allé sur cet axe? Parce que beaucoup de gens ici qui passent à la télévision, qui disent, oh non, le président, il y a une diplomatie. Quand nous allons arriver à la définition de la diplomatie agissante, vous allez comprendre que non, rien ne s'est fait aujourd'hui. Et nous venons de nous rendre sur le plan, nous venons de parler même langage avec le professeur. Parce que vous vous retrouvez avec des techniciens. Et je vous ai dit que rien ne marche sur ce plan-là. Le Congo est revenu sur la scène internationale depuis le retour en 2001. Vous avez vu
Kabila, il est là. C'est lui. C'est lui. Il est parmi les gens avec le professeur Labana qui ont créé l'académie diplomatique. Si j'ai encore une bonne mémoire, n'est-ce pas, professeur? Oui, bon, peut-être Labana était avant moi, mais sinon, c'était quand même dans les... Oui, 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 oui. Au fait, je pense qu'il a, avec lui et les autres professeurs, les professeurs Poirimba, Onfray, les professeurs... il y a eu beaucoup de professeurs, et lui. Pourquoi j'insiste au professeur? Parce que je sais qu'il était dans les desks. Je parle ici, sous son contrôle. Il était dans les desks, il a fait beaucoup de choses. À moins qu'il me contredise au cours de ces débats. Et je ne fais que remettre l'ascenseur par rapport à ses connaissances. Chers frères, tous, nous ne sommes pas applaudisseurs pour dire béton, béton. Non. D'ailleurs, en diplomatie, en béton. Il y a même une vidéo virale. Ouais. En diplomatie. On vous montre, vous, Indiombar en train de non, dire béton, béton. Bon, je ne suis pas. Vous savez, le problème, c'est quoi? J'ai toujours eu un principe. Le principe, c'est lequel? J'ai observé, mais je ne peux pas parler du président Kabila, j'ai observé M. Fayoulou, quinoa. Nous, nous connaissons M. Fayoulou Kinoa, né ici, grandi à Kinshasa. Mais aujourd'hui, on apprend que l'IDPS le qualifie comme sénégalais. Est-ce que Fayoulou est obligé d'aller se défendre qu'il est congolais? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est ça la différence, la grandeur d'esprit. Est-ce que moi, India, on monte une histoire dont... Quand vous regardez les nez de ces messieurs-là par rapport à mon nez, c'est... moi je n'ai pas les ventres, il a les ventres. Moi je ne peux pas m'habiller à une chemise pareille, avec des couleurs, je ne peux pas. Excusez, mais est-ce que je suis obligé de passer dans votre téléphone et télévision? Mais il faut comprendre, l'Union Sacrée est en train de chercher des gens. Il a cherché beaucoup de gens là-bas. Il trouve que non, les gens qui ont fait la transhumance ne sont pas importants. Ne représente rien sous l'échiquier national. Donc, il faut débaucher. Il faut avoir des gens. Il a fait son balai d'essai. Et moi pour moi. Mais il faut qu'on parle de moi. Je suis un homme politique. Le professeur qui m'a enseigné, il sait que non, un homme politique. Il faut qu'on parle. Il faut qu'il revienne à tout moment à la une. On ferme la parenthèse. On rentre dans la thématique. Bon et à mal. On ferme la parenthèse. On rentre dans la thématique. S'ils ont parlé de ça, tu sais aujourd'hui, même les gens qui ne me connaissaient pas, à travers la publicité, ça s'appelle marketing politique. Mais ils ont fait un travail de titan. Donc je refais. Ils vous ont vendu inconsciemment. Sur 80. Attendez. On a nommé un général. Mais grâce à moi, le général est connu à travers le monde. Grâce à moi, il y a des généraux qui sont ici, qui ne sont pas connus comme moi. Mais c'est grâce à moi qu'on a su que non, ben, il y a eu une nomination. Comment on nomme un général? Moi, je deviens plus vedette que les généraux qu'on a nommés. Mais je jouais un problème d'ordre communicationnel. C'est comme vous vous dites en communication, tout est communicationnel. Ouais, on ferme la parenthèse, on rentre dans les donc, sujets. Je rentre voilà. Pour vous dire ceci que non. Chers frères, Blanquer, est venu ici avec un message dur, très dur sur la démocratie, sur cette affaire de patrimoine, qui est cette histoire de clauses opaques, qui s'est passée entre le patrimoine que la RDC a récupéré chez Gettler, tu sais, depuis qu'on a lancé l'appel d'offres jusqu'à aujourd'hui, pratiquement... Personne, aucun investisseur, aucune firme internationale ne vient. Ne vient. Pourquoi? Parce qu'il y a du méli-mélo. Et le trésor américain a besoin de connaître exactement et la clause de ce, ce qui s'est passé. Tu as vu, il paraît qu'on a sanctionné, qu'on est en train de vouloir sanctionner 5 des collaborateurs du président de la République. Je crois que non, il y a eu beaucoup de dossiers. Les États-Unis aujourd'hui veulent avoir les élections en 2023. Nous allons en parler au professeur Omeunga, parce qu'il y a ceux qui pensent que les États-Unis
ne joue pas une relation sincère avec les RDC. Vous avez suivi le secrétaire d'État, il était ici une fois au Rwanda. Vous avez suivi son discours. Il n'a pas totalement condamné le Rwanda. Il a plutôt fait un commentaire départageant les deux pays, dire que la RDC aussi est en train d'entretenir les ADF. Est-ce, pensez-vous, que l'Occident n'est pas sincère avec nous? Oui, bon, avant d'arriver à ça, mais je voulais juste amener un peu des précisions, hein, parce que c'est un peu important sur la diplomatie de Tshisekedi. C'est pas, après tout, je ne sais pas comment il a fait, mais je crois que c'est toujours ça qu'on en voit, les aspects parfois positifs d'une diplomatie, comme on nous l'a fait au foot à l'époque de Kabila. Je crois qu'à un moment donné, le président Tshisekedi était quand même président de l'Union africaine. Deuxième chose, il était président de la FCAC. Micro. Je disais à un moment donné qu'il faut voir parfois certains aspects positifs de la diplomatie Tshisekedi. Ouais. Il faut être réaliste. Quels sont ces aspects? C'est-à-dire, j'ai dit tout simplement, il était président de l'Union africaine. C'est plus important pour nous, pour la vie d'un pays. Deuxième, il était. C'est à tour de rôle. Oui, non, mais oui, mais à tour de rôle. Mais, c'était le tour de la RDC. Même vous, le professeur, si vous étiez président, vous devez être. Tout à fait, mais c'est vous montrer que... Mais quel est l'impact de sa gestion, de sa présidence à l'Union africaine? Les Congolais ont retrouvé quoi? C'est ça que nous voulons. Est-ce qu'il peut les terminer? Africains ont retrouvé quoi? Quand vous parlez... On a vu à un certain moment, je vais relancer, on a vu à un certain moment les présidents sud-africains être invités au G8 ou G7 sans que le président qui représentait l'Union africaine. Merci, merci M. Ndiomari. Quand il va commencer à parler, vous le laissez quand même terminer. C'est bien pour les téléspectateurs. C'est même un tour des rôles. Okay. Si et on m'a donné, je sois sincère pour m'appeler professeur, on m'a donné, on ne pouvait pas, nous, à un moment donné, comme j'étais dans l'époque de Kabila, on ne pouvait pas exactement faire des relations, des bonnes relations avec la Belgique parce que c'était déjà dégradé. C'est ça ce que je voulais dire. C'est ça aussi. Un aspect comment? On peut faire la diplomatie, mais on voit que le pays n'a pas de problème avec les autres. C'est pourquoi je parle qu'il était président de l'Union africaine, il était président de la CAC, il était aujourd'hui même, il doit être président de la SADC, même l'article de rotation. Vous voyez ça? C'est important pour montrer que le pays n'a pas de problème au niveau de sa gestion, au moins officielle. Dans le pays présente une bonne image. Voilà, justement, parce que deuxième chose. Je pensais que peut-être la diplomatie, mais il y a des aspects qu'on peut voir faire. Il y a aussi un rapport de la MONUSCO qui a été dit pour montrer que non, la MONUSCO a fait que le Rwanda a été dans notre pays. C'est plus longtemps que... Un rapport clair. Un rapport clair. Bien que il fallait exploiter bien ces rapports. Deuxième chose, il y a aussi le problème. La RDC participe et contribue dans toutes les organisations régionales et sous-régionales. C'est ça aussi la vie diplomatique d'un pays. Donc il y a ça aussi. Donc. Et puis on m'a vu aussi, bon, quand vous parlez maintenant de M. Bakay qui est venu voir le président Tshisekedi, effectivement, il y a des sujets brûlants. Il y a la première chose, la guerre à l'Est, le M23. Et vous savez très bien qu'à un moment donné, c'est ce que je disais, il ne faut pas toujours suivre la diplomatie institutionnelle, il faut avoir aussi d'autres canaux, réseaux diplomatiques. Et que je suis sûr, dans les sous-entendus, le sous-secrétaire américain est venu pour rassurer le président de sa médiation pour cette affaire des M23 avec les Rwandais. Est-ce que ce n'est pas par la peur que la RDC a montré la volonté d'aller vers la Russie? Non, ça, c'est dans le sens stratégique du pays. Mais moi, je ne peux pas le dire ici à la télé, à la télévision, que c'est parce que le président Tshisekedi voulait maintenant, on peut orienter sa stratégie vers la Russie. C'est aussi, il est libre de le faire. Mais ça, il faut voir aussi que dans les relations internationales actuellement, il ne faut pas, parce qu'il y a une lutte acharnée entre la progression chinoise en Afrique et les États-Unis, il y a tout un conflit au niveau de l'Afrique. Quels seraient les dangers, professeur, si aujourd'hui on abandonne les États-Unis, parce que vous êtes quand même enseignant de l'université, on embrasse la Russie et les autres, est-ce que ça va biaiser notre démarche diplomatique avec l'Occident? Non, mais vous savez, c'est ce que j'ai dit, dans nos principes des principes diplomatiques de la RDC, il y a le principe des axes qu'il faut privilégier. Il y a les axes de stratégie, donc des partenaires stratégiques. Il y a des axes de partenaires émergents. Il y a des axes de nos amis, donc sud-sud. Donc, dans tous ces axes-là,
Il faut des stratégies diplomatiques. Alors, vous me demandez la question, ce n'est plus ça à la télé, je vous ai dit, mon cher Delphin, que je cherchais à tout moment qu'il y ait un comité scientifique de défense pour examiner toutes ces histoires-là. Si c'était dans un laboratoire, je l'allais te dire qu'effectivement, voilà les stratégies que moi, professeur Omeyonga, stratège, souhaiterais que ça soit ainsi sur le plan diplomatique actuellement. Voilà, par exemple, vous me demandez ça, est-ce que voilà, les États-Unis, c'est notre allié stratégique d'habitude classique. Vous voyez ça? Et je ne sais pas les options. Il est, le président Tshisekedi, quand il est arrivé, il est parti aux États-Unis, il a signé des accords. Moi, c'est normal, il a fait la coopération, tout ça. Bon, maintenant, c'est dans le pourparler entre les deux interlocuteurs que je pense que le président aurait dit des difficultés qu'il a peut-être vis-à-vis de ça. Et que les Américains eux-mêmes doivent comprendre comment la composition géopolitique et géostratégique et la présence de la Russie à travers le Mali, à travers le pays de l'Ouest, la choix comme ça, et que ça peut faire des ramifications à d'autres pays africains et ils en tirent les conséquences. Je crois que c'est ça. Je ne peux pas te répondre à ça maintenant. Je comprends. Mais je sais très bien que ce n'est pas facile à se détacher d'un partenaire stratégique important comme les États-Unis. Merci. Donc, mais je voulais dire tout simplement en fait que j'ai toujours condamné que le pays doit quitter cette diplomatie classique institutionnelle d'aller aux Nations Unies, d'aller à la SADC, d'aller au Commissariat. Il faut changer le paradigme. Il faut changer le paradigme, c'est-à-dire qu'il faut faire d'autres, comme je vous parlais, de la diplomatie liquide, c'est-à-dire avoir des réseaux dans une diplomatie souterraine. Voilà. Merci. Monsieur India Omari, avant de passer à notre sujet. Mais parce qu'on ne peut pas comprendre, j'ai terminé, on ne peut pas comprendre qu'un petit pays comme le Rwanda, a un réseau diplomatique très fort. Merci. Et nous avons beaucoup de déterminants géopolitiques. C'est ça même la question que je vais poser à monsieur India Omari. Est-ce qu'on peut affirmer tout haut, donner raison au cardinal Ambongo qui avait dit nous avons un problème de leadership. Est-ce que le président Paul Kagame était un vrai leader qui s'est confirmé, contrairement à notre président qui manifeste la volonté, mais au niveau de leadership, il y a ceux qui pensent que Kagame n'est plus leader que lui. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Je ne suis pas dans ce genre de choses. Je respecte la... vous savez, moi je respecte la fonction du président de la République. Je suis nationaliste, j'aime mon pays. Et je n'aimerais jamais être applaudisseur d'un pays comme le Rwanda, un pays agresseur. Ok. Pays ennemi. Oui. Quelles que soient les faiblesses qu'on peut retrouver tout autour de la gouvernance de M. Tshisekedi, mais je ne m'autoriserai pas de venir ici sur votre plateau pour parler de Kagame. Là, je ne le ferai pas. Mais Ambongo peut le faire. Comme patriote. Mais Ambongo peut le faire. Ambongo a raison. Ah, donc vous les donnez raison, mais vous, non, politique, Ambongo a raison. Nous avons un problème de leadership et de la gouvernance au pays. Vous savez, pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je vais renchérir? Ok. J'ai suscité quelque chose, peut-être vous n'avez pas pris avec beaucoup d'importance. Mais le prof était dans l'embarras. Quand j'ai parlé des axes de la politique étrangère de notre pays, effectivement, les grands axes, nous avions la politique de bon voisinage, qui n'existe pas, regarde ce qui se passe, qui n'existe pas. Mais vous avez vu quand même un président côte à côte avec le président rwandais, avec Museveni, avec les autres. Cher ami, selon vous, c'était quoi? Je renvoie la balle au professeur Omeyonga. On a vu un grand diplomate dans le monde qui s'appelle Henry Kissinger. Oui. Dans la guerre froide entre la Fédération, donc l'URSS, et les États-Unis, on a vu ce monsieur-là en train de négocier toujours avec la Russie, donc la Fédération de la Russie, donc l'URSS à l'époque, de l'époque. Et c'est lui-même notre inventaire de la diplomatie secrète, que vous appelez la diplomatie des couloirs ou vous avez souterraine. Il n'existe pas une diplomatie souterraine. Pas de problème. C'est dans la classification, je l'ai fait, je l'ai dit sous contrôle du professeur qui est ici. Parce qu'il faut, lire, il faut beaucoup lire. C'est une science nouvelle, une science carrefour. Aujourd'hui, les mathématiques viennent dans la diplomatie. L'intégration que vous voyez là, qu'on dit l'intégration aujourd'hui, vous savez, le monde a tenté
dans la globalité, les villages, dans la globalisation, dans la mondialisation. Le monde a voulu qu'il y ait l'intégration politique, mais ça ne colle pas. Même l'intégration économique aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Même des, tu as vu, l'Angleterre vient de sortir avec Brexit. Ouais. Vous êtes en train de voir comment Orban, le président de Hongrie, est en train de jouer les rôles. Vous êtes en train de voir. C'est-à-dire que non, il y a toujours un problème. Il commence à avoir un problème. Ce que je voulais juste vous dire, quand le président, différemment, le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il n'a pas constitué un comité scientifique de défense. Ça, c'était. Donc c'est déjà un collègue. Voilà pourquoi Kabila a été très stratège. Il a fait ça. Et nous sommes arrivés à un certain moment, jusque nous, qui ont été envoyés à l'OTAN. À notre retour, nous avons créé le Tchèst avec le général Etumba. C'était pour même la formation de nos professeurs. C'est-à-dire qu'il faut renforcer les niveaux de nos cadres au niveau stratégique. D'ailleurs, je suis en train de plaider aujourd'hui, les Français ils cachent beaucoup de choses. Même pour les militaires ici, il faut une analyse opérationnelle. Ces thèses doivent avoir une partie de l'analyse stratégique et une partie de l'analyse opérationnelle pour permettre aux techniciens qui sont dans les théâtres des opérations comment ils font s'accommoder avec les gens qui sont dans la stratégie. Donc, et c'était ça l'objectif. Si le professeur dit que non, nous ne sommes pas. Le plateau ne va pas nous servir pour dire tout. Il a raison. Et nous n'allons pas le dire tout. Quand je vous ramène aujourd'hui que non, sur le plan politique des bons voisinages, nous avons un problème. Kabila, rappelez-vous, Kabila, à l'époque, avait dit que nous sommes en parfaite collaboration avec tous les pays, à l'exception du Rwanda. Tu es ici aujourd'hui, outre les Rwandais, nous avons un problème avec l'Ouganda. Un sérieux problème avec l'Ouganda. Nous avons des problèmes avec les autres. En suivant le commentaire du fils de Museveni. Nous sommes en train de vivre. Ça, c'est un problème sérieux. Ouais. Quand vous voyez la vocation africaine, oui, de la RDC. Chité. On ne sent pas. On ne sent pas. Nous sommes insultés tous les jours ici par des Ivoiriens et les autres par rapport à notre comportement. Il applique un président de la République, un chef de l'État dans le monde. C'est les cours qu'il lui donne. Son comportement peut même amener un pays dans la subversion. Peut amener un pays dans la belliquescence. Il sait, c'est les cours qu'il lui donne. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, il a été, par rotation, tout le monde, même Maman Marie, au fait, Union Salité, peut devenir, s'il est président, si elle est présidente, elle pourrait présider à cette époque-là, à la destinée de l'Afrique. Mais on n'a pas senti, Ça touche. Par rapport au président qui vient, qui est là, au fait, on ne sent pas. Macky Sall. Le président sénégalais. On le sent. Vous voyez comment il s'accompagne par des techniciens. Comment il a. Allez maintenant ici demander. Oui, au nom de l'Afrique. Vous voyez. Le maïs, comment, ça, vous. C'est ça. Ce n'est pas humilier l'Afrique. L'ouverture, pardon. Avec tout ce que l'Afrique a comme de terres arables, vous avez un président de l'Union africaine qui se pointe en Russie pour aller demander le maïs. Il y a plusieurs Africains qui ont pensé que c'est humilier l'Afrique. Hein. Je ne comprends pas ça. Attention. Okay. Vous parlez de maïs ou de blé? Bleu, voilà. Ouais. Attends, faut faire très très attention. J'ai dit bleu. Vous savez comment à Kinshasa aujourd'hui, il peut y avoir une grève uniquement pour les pains. Le président de la Tunisie, cette révolution-là, c'était à cause du pain. Aujourd'hui, nous avons un problème pour nous Kinois qui aiment les pains. À cause du pain, on peut chasser tout un président. On peut chasser tout un gouvernement à cause du pain. Il faut faire attention. Ce n'est pas une humiliation qu'un président qui se présente comme ça. Vous n'arrivez pas à développer une agriculture de subsistance ici au niveau local. Vous avez les maniocs, vous avez les patates douces. Ça peut remplacer le bleu d'une autre manière. Aucune incitation dans ce sens en matière de l'agriculture.
vous ne, les pays aujourd'hui n'arrivent pas à faciliter les investissements nationaux. Vous voulez quoi? Regardez les niveaux, l'argent qui est dépensé uniquement pour l'importation. Allez à la Banque centrale pour essayer de vérifier. Merci. Vous savez, le problème c'est quoi? Chité. Le problème à notre niveau c'est quoi? Un, il y a un taux, c'est beau, un taux de corruption très élevé. Un problème de gouvernance. Pas de transparence. Il y a un problème de droits humains. L'IGF est en train de faire un grand travail. Hein. L'IGF est félicité par tout le monde pour éradiquer la corruption. Mais vous avez. Oh, il fait quoi? Il éradique quoi? Monsieur Linguetti, mais je dis, il est considéré comme l'ange de la République. J'ai dit, il fait quoi comme travail? À part faire des bruits, il fait quoi comme travail? Vous le faites perdre, vous ne voyez rien. Je préfère aujourd'hui que la Cour des comptes. Soit suffisamment installé, que les magistrats qu'on a nommés, merci, que la Cour des comptes fonctionne. Vous allez voir, quand la Cour des comptes va fonctionner, l'IGF va se taire. Merci, M. Indio Omar, je vous ai quand même laissé suffisamment le temps. Quand le professeur va commencer à parler, vous devez aussi vous calmer pour qu'il puisse... voilà. Est-ce que je peux réagir un peu à cette question? Vous pouvez réagir, mais j'ouvre une autre question, mais vous allez payer les arrières, pas de problème. Prenons la deuxième thématique. Si je peux avoir la photo du président de la République, ça serait mieux. Parce que ça fait du buzz, ça a bougé la toile. Le chef de l'État a parlé, c'était au Tchad, à moins que je me trompe. Il a dit... Il n'est pas un dictateur, il s'est arrivé démocratie du Congo, la démocratie existe, mais il faut que les opposants puissent critiquer dans les bons. Si vous allez au-delà, les portes des prisons seront ouvertes, même si que ces prisons seront remplies par les délinquants politiques, lui, il va donner sa bénédiction et ça a suscité autant de réactions. Professeur Omeonga, par rapport à cette réaction du chef de l'État, pensez-vous, il y a ceux qui pensent, étant qu'un père de la famille, dans une famille, vous pouvez avoir aussi des enfants turbulents. Est-ce qu'il peut prendre cette attitude? Ce n'est pas un danger pour la démocratie. Et vous payez les arriérés si possible. Merci. Mais j'étais très très content avec Omari parce que là je me retrouve avec lui dans certaines valeurs nationales. Voilà, c'est un sceptique. Il a dit, c'était très bien, il dit, okay, je ne peux pas accepter quelle que soit la situation qu'il parle de président Kagame ici. Alors ça dit qu'il est lié, comme Mouzé le disait, il faut la mobilisation de tous les peuples parce que la patrie est en danger. Ouais, ouais. Et nous sommes en danger là, il ne peut pas qu'il y ait... des séparations, il faut qu'il y ait la mobilisation totale. J'ai aimé ça, c'est très bien pourtant. Ce qui nous rapproche avec lui, parce qu'on était des mosaïstes, mais bon, ça a évolué. Mais là, je suis toujours... Avant, on m'a tapé à côté, là, vous connaissez les cardinals indirectement. Non, j'arrive. Mais je suis un peu surpris, c'est contredit. C'est ça que j'arrive là. C'est contredit un peu en disant qu'Abonga a raison. Okay. Tout en acceptant qu'au moment où nous sommes en danger, il ne peut pas, même quelle que soit la mauvaise gestion du président, il ne peut pas laisser toute une fissure. Il faut sauver les mêmes. Il faut sauver les mêmes. Il faut d'abord sauver les mêmes, c'est pas, et puis on revient à l'interne après. Mais le président Bongo, que j'ai beaucoup de considérations, il ne faut pas les soutenir dans ce sens-là. Parce qu'il a dit que non, moi, lui-même, il s'est dit, moi, je ne peux pas accepter. Mais l'autre, là, il a raison. Non, c'est pas possible. Okay. Et donc, parce que oui, vous avez la mobilisation, et pour l'Ouganda, c'est un jeune enfant qui. Moi, je regarde des relations, des coopérations que je vois avec l'Ouganda et jusqu'à présent, il n'y a pas de couacs très diplomatiques entre les deux pays, mais toujours ce sont des petits tracts, le petit fait tout va. Il a été blâmé par son père à un moment donné. Mais quand il y a un haut responsable de l'armée rwandaise qui dit, vous nous acquillez pour rien, nous les Rwandais, mais les gens qui outillent le M23, c'est... les Ougandais, ça pose déjà problème. Vous dites qu'il n'y a pas une relation de confiance. Tout à fait, non. L'Ouganda, il y a les imposteurs. Ça, c'est que j'ai dit toujours, la diplomatie, elle est là, mais il y a aussi les animateurs. Ok. Les animateurs. Je venais de parler que vraiment, le président était l'Union africaine, le président de l'Union africaine, mais on ne sent pas ce qui était fait là-bas. Mais vous savez, moi, j'ai décrié ça. Parce que j'ai dit... Le président est nommé de l'Union africaine. D'un coup, il y a un panel qui devait accompagner le président de la République. Voilà. Et dans ce panel-là, qui était là-bas dans ce panel? Les juristes, des philosophes, aucun internationaliste. Aucun internationaliste. Il y a un professeur qui est dans un mouvement ici. Ndaiwel. Ndaiwel. Il n'est pas internationaliste. Mais Ndaiwel, c'est quand même un philosophe. Non, un historien. C'est un historien. Monsieur. Il est historien. C'est mon vieux à moi, il est historien. Okay. C'est un vieux à moi que je respecte beaucoup. Il est historien. Mais je l'ai dit qu'il n'y avait pas
un internationaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui devait accompagner le président. C'est le cas de Lutundula Kondo, qu'on a donné un méga ministère, juriste, mais il est en difficulté. Je parle du panel. Voilà. Moi, je parle du panel. Ah, okay. Parce que c'est là. Non, je peux dire. Non, pas Moutetela. Le loup ne se mange pas. Pas de problème. Continuez, professeur. Je vais dire. Prof, il y a encore des directions du Moyen-Orient qui existent. C'est ton temps. C'est son temps de parole, monsieur Ignor-Mari. Mais c'est Ignor-Mari. Je ne suis pas là-bas. Non, moi je. Réformer les affaires. Monsieur Ignor-Mari. Monsieur Ignor-Mari, je vous avais demandé, s'il vous plaît. C'est un travail qui doit. C'est un travail qui doit se faire d'abord dans les milieux scientifiques, au département. Le ministère des Affaires étrangères ne peut pas employer en dehors des licenciés. C'est un ministère de réflexion. La façon dont le ministère aujourd'hui a des directions aujourd'hui, nous n'avancerons pas en termes diplomatiques. Et vous le savez très bien. L'architecture, il y a pléthorique de gens qui ne foutent rien, qui ne réfléchissent pas. Or, c'est un ministère de l'espionnage. Merci. Oui. Des contre-espionnages, ce ministère, qui doit renforcer le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a trois identifiants pour regarder un pays sur le plan évolutif. Dès que vous sortez, vous venez dans notre pays ici, il faut voir, un, la communication, deux, les services, trois, la diplomatie. Merci. Est-ce que vous pouvez vous calmer d'abord qu'il termine, comme ça vous aurez la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Ignor-Mari. Monsieur, il peut terminer d'abord. Vous notez, comme ça, vous n'allez pas. On va me juger que je suis injuste. Je vous donne plus la parole que lui. Voilà, professeur évolue. Alors, je vous l'ai dit tout simplement. Ce qu'il a dit, ce n'est pas tout faux. Hein. Ce qu'il dit, honnêtement. C'est un ministère de souveraineté. Okay. Et c'est un ministère vers l'extérieur. C'est un ministère de souveraineté, un ministère vers l'extérieur, qui demande le mérite, qui demande l'intelligence et qui demande la technicité. Okay. Vous voyez pas, moi, un exemple que je ne peux. Moi, j'étais aux affaires étrangères avec Chéo Kitundu dans l'époque de Kabila. Ouais. Mais je suis Moutetela comme Chéo. Mais en m'engageant, il me prenait comme conseiller. Il a dit, je t'engage pas parce que nous sommes dans la même famille politique, mais je t'engage parce que dans la technicité, tu es technicien, je suis professeur des relations internationales et je veux m'occuper de ça. Il m'a engagé dans ce sens-là. Pas seulement parce qu'on est des mêmes tribus, mais j'ai produit un bon travail juste parce que j'ai été technicien. C'est un ministère qu'il faut mettre effectivement des techniciens en dehors, il y a des administratifs, mais il faut des chercheurs, il faut des gens qui imaginent autre chose que ce qui est classique. Vous voyez ça? C'est ça le choc qui est très important, c'est le ministère d'intelligence. Donc, la nomination du ministre, c'est le président lui-même, le président, son excellence, M. Lutundula, il a pris les gens qu'il veut au cabinet, donc s'il veut réformer l'administration, nous, comme nous sommes arrivés avec Chez, on a réformé l'administration. On a essayé de faire une commission pour réformer, voir les directeurs qu'il était pointu pour le mettre dans les directions. Bon, ça c'est du passé, mais pour dire aujourd'hui que je ne dis que non, la mobilisation doit être des chefs de l'État en cas de parti est en danger. Notre pays est occupé actuellement par un pays et nous ne devons pas accepter qu'il y ait des petits problèmes internes. Il faut d'abord qu'on soit mobilisé derrière le chef de l'État, comme il a dit lui-même. Le cardinal Abongo, je crois que je le respecte beaucoup, mais ce n'est pas le moment de faire la division parce que l'ennemi va en profiter. Voilà. De ça. Le chef de l'État est là. Oui, mais je vous ai parlé de ses discours. Mais, non, mais lui, il a parlé beaucoup aussi. Et voilà. Non, ici, il faut faire la différence. Donc, même moi, même Marie lui-même, le président, c'est une personne, c'est une institution. Il a la fonction, il a la loi. Il a dit, si j'ai mal compris, il a dit, insulter comme il le fait là, la mauvaise gouvernance. Il n'y a rien qui est fait. Ouais. Les institutions ne marchent pas. Il faut récaler autrement. Il faut renouveler les affaires étrangères. Il faut faire ça, il faut faire ça. Il dit, ça c'est normal. C'est acceptable. C'est acceptable. Mais, bien que ce n'est pas parce que la France, on a tapé Macron, que nous devons taper sur les présidents. Okay. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Et puis nous les formons. Nous qui formons les jeunes gens, on ne forme pas les jeunes gens pour aller insulter à la télévision, comme il a dit. Moi, je dois respecter le président et je ne veux pas m'engager à insulter le président sur les plateaux ici. La politique, on ne le fait pas pour insulter. Comme il fait des arguments scientifiques, des idées, il les donne, il condamne, mais il ne faut pas toucher l'individu. Quand on dit, bon, le président,
a un jet où il m'amène l'argent chaque soir pour amener quelque part. Dans les paradis. Et cette infraction, ça peut amener des infractions qui peuvent aller même à la trahison et condamner les chefs de l'État. Okay. Alors, il faut des preuves. Si on touche, on dit maintenant que non, on touche la dame. Bon, bien qu'on touche par toutes les dames. La femme du chef, parlons-en parce qu'il a, il a parlé du nom Nyakero. Oui, on a dit que non, il n'est pas comme ça, Donc, évitez de toucher l'un des individus, mais parler de la gouvernance des institutions, insulter ce côté-là. Bon, il a dit tout simplement, si les gens sont toujours condamnés à insulter, dans ce sens-là, c'est-à-dire outrepasser la loi, parce qu'il parle de la loi. De la loi. Outrepasser la loi. Donc, en tout cas, la justice est là et la prison. Les prisons seront ouvertes. Je veux, parce que. Ce qui retourne là est condamnant. Et ce que je ne mérite pas, c'est dire tout simplement ce qui est condamnable au mari, donc ce qui est vrai, parce que nous parlons honnêtement ici, nous deux. Il ne faut pas dire que l'IGF ne fait rien. La preuve en est que, regardez le régime financier. C'est par rapport au travail de l'IGF. Si nous avons 11 millions, je crois que 11, pour le budget, les autres c'est 3, 4, 4, 4, et le mandat c'est 11, c'est 11. Ça suppose. Ça a triplé. Ça a triplé. Ça suppose quand même qu'il y a un travail qui est en train de faire au niveau de la corruption. Et au niveau de la corruption, il faut faire que nous, vous êtes l'esprit. Moi, je ne peux pas te séparer des autres. Parce que moi, je te connais avec lui, on était des Moses, effectivement. Oui. Mais sauf qu'il y a eu déjà des mutations. Moi, je suis parti dans les PRP, lui est resté dans les PPRD. Mais c'est toujours la même famille. Mais il y a des volets fondamentaux. Okay. Parce que quand nous sommes arrivés, quand il était avec nos Moses, on arrêtait les ministres ici. Il y avait l'Obama. Il y avait les gens qui se promenaient avec leur argent dans les marchés. Mais le budget n'augmentait pas. Non, je ne parle pas du budget, je parle de la corruption. Ouais. Je parle de la corruption. Parce qu'à ce moment, le musée ne voulait pas cette histoire-là. Et il faut voir que non, merci. Il y a certaines valeurs qu'on ne faut oublier. C'est ce que je voulais dire aussi pour la maïs, les maïs, c'est du soir comme ça. Avec le musée. 30 secondes, on doit prendre la pub et puis on va arriver. Oui, avec le musée disant que non, sachant très bien, c'est un stratège. Comme le pays est très grand, il faut qu'on imagine à cas d'une guerre longue ou populaire. C'est pour qu'il a fait le service national. Il est là. C'est ce qui pouvait nous amener à manger, bien que dans notre époque, on a négligé pour aller dans les Mukangalozo, des histoires comme ça. Mais le président est revenu sur ça, c'est à féliciter. Je reviens vers vous parce que nous sommes également une chaîne commerciale. Nous allons rentrer du côté de la régie, prendre la pub, et puis nous allons revenir pour que M. Idion Marie place aussi un mot par rapport à ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et saliva. Nous pouvons nous retrouver seuls face aux imprévus. Ou même face aux responsabilités. Ou encore, être seuls face à nos projets. Et face aux risques. Avec Robank, vous ne serez jamais seul, parce que cela fait 20 ans que nous allons de l'avant avec vous. 20 ans qu'ensemble, nous bâtissons la République démocratique du Congo. 20 ans que nous vous offrons la meilleure expérience bancaire. 20 ans que nous participons à la réalisation de vos projets. 20 ans que nous contribuons à l'amélioration du quotidien de tous. Oui, grandir ensemble, ça se fait. Robank, 20 ans ensemble. Bienvenue en Hollande. Bienvenue au pays des éleveurs les plus célèbres du monde. Voilà d'où vient le lait Belle Hollandaise. Goûtez le meilleur de notre nature. Belle Hollandaise, découvrez les bienfaits du lait hollandais. Distribué par Sokin. André, il fait merci. Je vais te dire ma croquée. On a besoin de service? Non. Oh, il y a pas marché.
Conseiller dans mon bureau. Excellence. Au moins limite tout cas, plus si soir. C'est vous, excellence. Comment t'as mon corps? Hein? T'es plus à l'attente moi c'est la même. Que quand même dans le conseiller. Bateau et à facture ou anna. Nous on a bangué ça les bons. 90 millions de francs congolais. Bah qui ça va se remis balé? Et combien moni? 9 milliards. Les colons en année à l'issot. Yo comme ma gouvernement au cacamou. Comment l'État? Eh, papa, les gars, vous tout gagnez. Oh, maman. Mais on vous tout gagnez gouvernement. Moi, j'ai 10 ans à battre dans gouvernement. J'ai dit, t'as moi, c'est excellence. T'as moi, c'est excellence. Bonjour, les amis. Vous respectez. Merci, Billy. Nous avons préparé. Nous avons la royale IGF. Vous avez pour l'été, nous avons battu au matin un cycle. Stop. Excellence, c'est foutu. Les inspecteurs de l'IGF sont là. Inspection générale des finances. Vous avez compris. Je ne suis pas là. Non, mais vous êtes là. Mais non, dis-leur. L'excellence est en confinement en France. Ça n'existe plus cette histoire. Je ne suis pas là. Là. Je ne suis pas là. Là. Non. Ah, c'est désolé. Conseiller, même toi aussi. Stop. Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances. Depuis plusieurs années, le complexe scolaire Godwill, un établissement privé à Kinshasa, œuvre dans la vision du chef de l'État en favorisant la scolarité gratuite dans ses établissements. Décidé d'accompagner le chef de l'État dans sa vision de la gratuité de l'enseignement primaire, Odon Pambou, un digne fils de la nation. L'homme du changement, l'homme de la gratuité, de l'enseignement et l'homme des psaumes 41 a permis par son initiative la scolarisation de plus de 1000 enfants pour faciliter la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de fournir une éducation convenable aux enfants du pays. Scolarisation est un enjeu majeur en RDC. Scolariser les enfants à l'école primaire n'est pas qu'une réalité aux établissements d'enseignement public, mais elle est aussi une réalité au complexe scolaire Godwill, grâce à Odon Pambou, le Palme d'Or. De retour sur ces plateaux après la pub, vous étiez très 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 nombreux, je vous ai vu en train de réagir, vous avez aimé les débats. Voilà, nous sommes là, c'est dans le cadre de notre travail CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. Il nous reste 15 minutes. Dans les 15 minutes, je donne d'abord 5 minutes à M. India Omari qui va essayer un peu d'enrichir par rapport à cette question, par rapport aux propos du chef de l'État, qu'est-ce qu'elle lui pense? Est-ce que le chef de l'État est allé plus loin? Il a énervé les lois de la République, il est devenu un dictateur. Bien comment? 5 minutes, après les 10 minutes restantes, je vais donner 5 minutes au prof Mounga, 5 minutes à M. India Omari pour conclure par rapport à une autre question sur le 27 bloc pétrolier. Qu'est-ce que la RDC peut gagner si cela se mettait en pratique et qu'on allait avoir les bonnes personnes par rapport à ces blocs pétroliers? M. India Omari, vous réagissez par rapport à, au propos du chef de l'État. Qu'est-ce que vous pensez? La question que je me pose, mais là, avec les Congolais de la diaspora, peut-être les informer mieux. Comment? Ok. C'est une sortie médiatique ratée, une communication ratée, une communication qui
bien sûr pas. Oui. Pourquoi j'ai l'ai dit? Okay. Premièrement, il est président de la République, il n'est pas un président d'un camp. Et l'opposition et la majorité. Deuxièmement, quand un président de la République lâche des propos comme ça, des propos même désobligeants, du genre opposition et APD. C'est un constat qu'il a fait. Hein. Non. Un président ne peut pas faire un constat. L'opposition, c'est une institution en République, est institutionnalisée en République démocratique, Nico. Le président est un partenaire de l'opposition. Prenez l'autre micro qu'on vous entende mieux. Au fait, d'abord, la communication a raté. C'est une communication, une sortie médiatique ratée. Une sortie médiatique où, apparemment, n'a pas été concerté avec son équipe de communication. C'est-à-dire aujourd'hui, on sent effectivement que les anges qui sont tout autour du président ne l'aident pas. Donc l'équipe de communication du chef de l'État. Oui, il enfonce davantage. Okay. Comment, chaque fois, quand il communique à l'extérieur, il doit y avoir des tollés au niveau intérieur. Sur la qu'est-ce que vous n'avez pas compris sur cette communication? Attendez, il dit l'opposition a pété. C'est pas le président qui va dire ça. Il oublie que lui-même a été élu avec 38%. Et le reste de 62%, c'est les gens qui ne voulaient pas de lui. C'est-à-dire que c'est pas un président légitime. Attendez, je termine, parce que tu risques de faire un travail bâclé. Okay. Deuxièmement, c'est-à-dire que non, il dit, lui le président, il se transforme en juge et parti. Il devient magistrat. Il devient un magistrat. Debout et magistrat assis. C'est lui maintenant qui arrête. C'est-à-dire derrière les arrestations du genre Kabundo et Jimmy Kitenge, on sent que c'est lui qui est derrière, c'est lui qui impulse, c'est lui qui donne les instructions aux arrestations. Là, il a faute. Il a suffisamment démontré que non, la liste qu'on dit que non, demain on va arrêter India, on va arrêter Papi Tamba, c'est lui qui a déjà proposé toute une liste pour des arrestations. Est-ce que le président de la République est obligé de dire que non, les prisons seront, au fait, toko, à l'objet d'abord, maloko, c'est ça le terme qu'il a utilisé. Bon, c'est en lingala, boloko, donc les prisons. Maloko et kotonda, tu vois, c'est pas lui. Avec les gens qui élèvent. Aujourd'hui, la justice, les cours et tribunaux, la justice est indépendante. Il doit quitter, c'est de partir des instructions qu'il est en train de donner à la justice. Effectivement, on sent que non, il y a la même mise, il a la même sur la justice aujourd'hui. C'est lui-même qui vient de démontrer. Donc vous êtes contre les antivaleurs. Deuxième attaque. Vous êtes pour les antivaleurs quand le chef de l'État dit, attendez, si vous voulez attendez. Me critiquer, s'il vous plaît, je vous relance. Quand le chef de l'État dit, s'il vous plaît, quand le chef de l'État dit, si je suis d'accord qu'on me critique, je suis d'accord qu'on critique mon action, mon gouvernement. Mais aller au-delà avec les antivaleurs, avec le contre-vérité, il est d'accord que les prisons se remplissent. Tu ne peux pas venir et se faire porte-parole du président de la République. Non, je fais que rien ce qu'il a dit. Non. Écoutez, nous sommes dans un débat citoyen ici. Qui a insulté le président de la République? À notre niveau, au niveau du PPRD, nous sommes inspirés, nous sommes éduqués suffisamment. Nous avons, contrairement à l'usine des insulteurs. Parce que c'est là. Le président aujourd'hui, bon, il veut se faire modèle. Mais nous avons des vidéos. Quand il dit que non, Kabila, c'est un papier. Mais qui l'avait arrêté? Vous avez vu un jour que Kabila est venu ici pour dire. Quand vous dites que non, la famille de Kabila a volé. Personne ne l'a arrêté. Il n'y a pas longtemps ici, on est... Comme le professeur, il a résidé en France pendant longtemps. On arrive même à dire que non, Macron a une vieille femme. Je n'ai jamais vu. On insulte même. Mais bon, là, on insulte. Parce que bon, on ne devait pas faire la comparaison avec l'ère démocratie. Mais nous, au niveau de l'opposition, tu as déjà vu Kabila insulter le président? Tu as déjà vu qui délit du PPRD insulter le président? Qui a décidé d'insulter le président? S'il faut, est-ce que aujourd'hui l'IDP c'est un modèle? Peut être donné des leçons par rapport à ça. On a insulté Mabunda ici.
Lingwanda, lesbienne. Vous faites allusion à Gilles Mounier. J'ai dit, moi non, mais je ne cite pas les noms. Mmh. On a insulté Mabunda ici. Il y a deux journalistes qui sont au fait alliés à choses, qui sont même financés par les régimes en place, qui ont insulté Kabila Niéhi. Je n'ai pas vu les. Je n'ai jamais vu. Des affirmations gratuites. Ah, attendez, attendez. Attendez. Des journalistes. Laissez-moi parler. Okay. Je suis libre. Okay. Si vous vous sentez lésé, allez à la justice. Je vais démontrer. Si vous vous sentez lésé, allez à la justice. Parce que vous voulez. Mes propos m'engagent. Okay, deux journalistes ont insulté le président Kabila de Niéhi, ici. Et je n'ai vu aucune. Parce que la plénitude de l'action publique, c'est les procureurs. Aujourd'hui, on instrumentalise les procureurs pour arrêter, on instrumentalise les services pour torturer, pour arrêter les gens, les opposants. Et vous êtes content, vous dites que non, Maloko est Gotonda. Et vous pensez que non, vous êtes en train d'intimider les gens. Regardez. 30 secondes. On a senti au président qu'il a l'attachement vis-à-vis de sa famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, on dit... avant tout, la famille est... Donc, la famille est sacrée. La famille est sacrée. Mm. Et le peuple, c'est du n'importe quoi. Pourquoi le président peut mettre en place dans une adresse sa femme? Mais tout ce monde qu'on insulte, les mamans Olive, les Kabila, pourquoi il n'a pas tenu compte, même en donnant les exemples? Merci. Deuxièmement, vous savez que le président de la République, c'est une fonction honorifique, honorable. Est-ce que le président de la République peut descendre dans la rue? Mais pourquoi mettre l'accent sur maman Marie Ignace Arité à l'extérieur? Cette maman, aujourd'hui, en fait... Écoutez, mais monsieur Indio Marie, vous allez dire que je vous coupe la parole. Je vous comprends. Mon président de la République va jusque. Parce qu'on sent en lui qu'il a été blessé suffisamment par son amour propre. Merci. En s'attaquant à cette maman. Monsieur Indio Marie. Monsieur Indio Marie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La dictature est en plein exercice dans notre pays. Monsieur Indio Marie. Je vous relance, s'il vous plaît. Il faut regarder le caractère de la communication, l'endroit où il était. Oui. J'estime. Il était où? S'il vous plaît, je suis en train de poser la question, je vous redonne la parole. Il était en face de la masse, en face de la population congolaise. Oui. Il était en train de répondre aux questions également du public qui était là. Si on lui avait posé cette question parce que la vidéo était devenue virale dans les réseaux sociaux par rapport à cette dame, si vous étiez président, vous allez dire quoi? Parce que là, il répondait en lingala, il parlait avec des Congolais. Je suis président de la République. Une affaire qui concerne ma famille, je ne suis pas autorisé, je ne suis pas obligé de répondre à une affaire qui concerne ma famille, surtout ma femme. Merci. Oui, parce que je n'ai vu aucune fois Kabila, le président Kabila, ait répondu parce qu'on a insulté qu'il était Rwandais. Merci. Je n'ai vu aucune fois. Vous allez prendre toutes les minutes. Attendez, vous allez prendre toutes les minutes. Je n'ai vu aucune fois. Martin Fayoulou, et répondait à la télévision parce qu'on l'a insulté qu'il est sénégalais. Je n'ai vu aucune fois Martin Fayoulou être insulté, quand on insultait sa femme, que Martin est arrivé. Je n'ai vu aucune fois que l'exercice Mabunda, qui a été suffisamment insulté, ou maman, au fait, Olive, est venu à la télévision pour pouvoir... Moi-même, je viens de vous donner un exemple tout à l'heure. Merci, mais monsieur. Ce qu'on a fait... On a arrêté qui? Merci, monsieur. Parce que l'image est là. Vous allez terminer toutes les minutes. Tu sais, je donne le mot de la fin. Tu sais, parce qu'elles veulent la prison. L'image est là. Du général. Mais le procureur peut s'en saisir. Merci, monsieur Indoma, calmez-vous. Pourquoi ça doit seulement être de leur côté? Merci. Est-ce que vous savez, pour terminer, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que non? Le président a outragé la population. Merci, monsieur Indio Marie, professeur. Et la population, c'est notre chef. S'il vous plaît, monsieur Indio Marie, vous risquez de prendre toutes les minutes que je ne vais pas vous donner le mot de la fin. On n'a pas peur de prison. Vous risquez d'arrêter tout le monde, les 62%, merci, il arrête. Merci, s'il vous plaît. Merci, professeur Omeunga. Je vous donne également 5 minutes. Comme ça, monsieur Indio Marie va conclure avec le mot de la fin.
par rapport à cette question, je ne souhaiterais même pas que nous puissions aborder la question du bloc pétrolier, ainsi de suite, parce que le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Monsieur Omeonga, je vous donne 5 minutes. On retient quoi par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Dans les 5 minutes, gérez-vous. Non, mais ce n'est pas possible. Là, moi, je vais conclure. Non, vous réagissez et puis vous concluez. Non, ce n'est pas compliqué. Gérez dans les 5 minutes. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bon, de toute façon, ce n'est pas bon. Bon, ça arrive souvent. Bon, je vous ajoute 2 minutes. Donc, voilà. La première chose, moi, je ne suis pas de l'UDPS. OK. Moi, je ne suis pas de l'UDPS, mais mon titre me donne à être un peu à la hauteur de certaines choses. Oui, oui. Et je suis étonné parce que si le président, quand il est au Congo, il est à l'extérieur, quand il est devant les Congolais, il est comme dans un territoire congolais. Okay. Et moi, ce n'est pas parce que tu m'as parlé de ça, j'ai vu comme si la question était venue de la salle. Okay. Et que le président devait répondre honnêtement. La question était de la salle. De la salle. Et je pense aux oppositions PT. Est-ce que parce que ça fait mal, parce qu'il a parlé à Lingala, c'est-à-dire qu'il dit l'opposition est faible ou PT dans ce sens-là, ou ça fait mal, ou parce qu'il a dit PT. Et deuxième chose, Biloko et Kotonda, si les gens continuent... Maloko. Boloko et Kotonda. Maloko, Boloko. Boloko et Kotonda. Si les gens continuent à insulter et à freindre la loi. Parce que là, moi, j'ai compris, comme je l'ai dit. Il dit insulter, non, et critiquer comme vous faites là, non, la gestion, la diplomatie ne marche pas, il y a la mauvaise gouvernance, c'est l'affaire étrangère, tout ça c'est normal dans le cadre de l'opposition et dans le cadre de défense des idées. Et nous sommes inscrits. Oui, tout à fait, je suis d'accord, non, je n'ai pas le droit de... Non, je n'ai pas... On ne vous entend pas, non, je ne parle pas... Retour, c'est l'UDPS qui insulte. Il termine comme ça, vous allez chuter. Mais là, je ne parle pas du débat entre nous deux. Je parle de... Je parle pas de débat. Ce n'est pas de nous deux, nous ne sommes pas là. J'ai précisé qu'on ne doit pas insulter personne. Mais j'ai dit, c'est tout simplement que ce qu'a dit le président, il a dit, si ça continue dans les antivaleurs, là, d'effreindre la loi... Il estimait que Biloko, oui, mais ce n'est pas pour autant, c'est pas pour autant qu'il est magistrat. Non, non, ce n'est pas pour autant qu'il dit aux magistrats d'arrêter les gens. Non, non, non. Écoute-moi, je crois que, s'il vous plaît, la justice est indépendante. Même le président parle. Non, non, même le président parle. Ce n'est pas pour autant que les magistrats doivent directement accepter parce que le président a dit ça. On doit juger et voir s'il y a infraction ou pas. Mais au niveau tout simplement, quand je dis que non, le président lui-même, il ne peut pas parler de sa famille. Attention, le cercle premier de toute une personne, c'est sa famille. Même le président Kabila, c'est sa famille aussi. Son premier, soit comme ça. Mais c'est que c'est la population. Non, non, c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas tout simplement, parce qu'il y a eu des antivaleurs de la fois passée, et ça doit continuer. Même moi-même, dans l'époque où j'étais le cabinet au pouvoir, il pouvait aussi dire la même chose, il ne serait pas condamnable. Si on a laissé aller, les gens insultaient les gens de l'UDPS insultaient maman telle, et on ne les arrêtait pas. La faute était à qui? La faute était à qui? Au président. Non, non, la faute était à qui? À l'opposition. Non, non, on avait peur de l'opposition où l'institution devait marcher correctement. C'est ça le problème. S'il y avait des antivaleurs qu'on insultait les gens... Non, non, c'est l'UDPS et les autres qui insultaient maman. Les dirigeants de l'UDPS. Non, j'ai dit même... S'il vous plaît, monsieur Ingrama. Ceux qui deviennent des modèles aujourd'hui. Non, j'ai dit... C'est le mot de la fin qui termine. Attention, moi, il faut écouter ce que je parle. Je parle au moins, comme vous me respectez, en tant que professeur. J'ai dit tout simplement qu'il y a certaines choses qu'on pouvait les écarter, même dans notre régime, quand nous étions là, qui étaient condamnables. Mais on ne condamnait pas pourquoi. Mais s'il y a un autre qui arrive, qui dit non, ce genre de choses, je ne veux pas. Ce n'est pas condamnable. On ne doit pas laisser les gens à parler correctement, insulter les choses, disant que non, le président a un avion, il amène de l'argent, n'importe quoi, maman telle. Il a dit non, n'insultez pas les individus, insultez les, critiquez les institutions. Moi, je crois qu'il n'y a pas un problème de ce côté-là. Et en disant, je conclue. La conclusion. Je dis tout simplement, je suis un peu jusqu'à présent, je crois que les gens, les gouvernements qui sont au gouvernement m'écoutent. Je suis aujourd'hui, peut-être demain, il y aura quand même la réunion de la SADC, 42e réunion de ce chef d'État, qui va se passer ici. Qui vont parler sur l'industrialisation et la sécurité. Mais je suis toujours mal à l'aise que les gens de Mounagana n'ont pas à nous suivre. Comment on peut faire des choses, des activités comme ça, on est à l'aise ici, alors qu'il y a une partie de notre
population, une partie d'entre elles qui est occupée. C'est fait du mal et je me demande quand, je vois qu'il y a la force qui est arrivée régionale, et c'est ça la solution où il faut, Burundais, où il faut une solution nationale, la légitimité de France, parce que même sur le plan international, on n'interdit jamais un État de se défendre. Nous devons, est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'on va réorganiser l'armée, qu'on va libérer Mnangagwa, ou que la volonté des Rwandais qu'on va libérer Mnangagwa, je ne sais pas. Peut-être je suis en dehors de l'État-major général, où s'élabore des stratégies actuelles, mais je pense que ce n'est pas normal, l'État ne doit pas laisser un État occuper les pays à 6 mois. Monsieur Ndiomari, terminez le mot de la fin de l'émission. Ça fait 2 mois que Mnangagwa est occupé par les Rwandais et les Ougandais. Vous savez, dans cette guerre-là à l'Est, les jours où vous allez nous appeler pour parler de cette histoire, l'Ouganda est plus méchant que les Rwandais. Ça, je suis en train de... Les Rwandais ne font que le vœu de l'Empire Imatouchi. Celui qui avait lancé ça, c'est Museveni. Il est là, il sait. Et c'est Museveni. Quand il est arrivé ici dans votre histoire de mutualisation des forces, il est arrivé pour étudier et donner les relais au Rwanda. Voilà ce qu'on attendait du président dans sa communication. On pensait que non, il pourrait parler de Mnangagwa, l'amélioration des conditions de vie de la population, comment il entrevoit mettre un programme économique, structurel, pour que aujourd'hui nous quittions de la récession que nous sommes en train de vivre. La vraie récession. Pourquoi? Parce qu'il y a un ralentissement des activités économiques, le PIB est en recul, aujourd'hui il y a l'inflation avec les nouvelles billets de grande valeur faciale qui vient d'apparaître, avec, au lieu même de communiquer avant la signature, on fait fi, c'est-à-dire on dirige aujourd'hui par défi. Ce sont des grandes questions qui devaient être aujourd'hui fait l'objet de la communication du président de la République. Mais on est rentré dans la rue avec... Parce que moi, quand je suis sur le plateau, je voudrais qu'il y ait des termes conséquents. Okay. Pas l'être entré dans la rue, parce que là, ça mène un autre débat. Voilà, merci. Parce que... Tu sais pourquoi... 30 secondes. Parce qu'il y a certaines choses qui étaient... Qui termine, on est à la fin, c'est le mot de la fin. Tu sais pourquoi je l'ai dit? Parce qu'une maman comme Maman Marie, ça ne devait pas être l'objet d'une communication d'un président de la République. On a demandé ça à Guillaume Marie. Non, on a demandé. C'était une question dans la salle, s'il vous plaît. Écoutez, deuxièmement, quand un professeur d'université dit que c'est tous les lieux qui deviennent, quand le président est à l'extérieur, dans une salle, ça représente un État. Laissez-moi. Là, les conventions de Vienne, professeur, allez lire. Pas un État, je n'ai pas dit un État. Non, tu as dit ici. Non, j'ai dit, il est dans sa communauté territoriale. 30 secondes, chitez. Professeur, s'il vous plaît, vous avez déjà eu le mot de la fin, 30 secondes, terminé. Mais écoutez, il y a eu beaucoup de choses qui ont été glissées dans cette communication qui semblerait être maladroite. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que on n'a senti rien en termes de donner l'espoir. Aujourd'hui, Mnangagwa est dans cette situation. C'est manque de volonté de défendre le pays. Parce que on a oublié, ces gens-là qui sont à Mnangagwa sont totalement oubliés aujourd'hui, sont totalement oubliés. On fait les fêtes ici chaque samedi. Maintenant, des fêtes jeudi, vendredi, samedi, dimanche, des fêtes extraordinaires. C'est comme si on rêvait que non, un jour... je deviendrai et je continuerai à faire des fêtes. Merci. Quand je parle de l'attachement du pays, l'attachement de sa nation, je ne vois pas ma famille. Merci. Ma famille va se retrouver au travers l'amour que j'ai vis-à-vis de ma patrie. Merci. Donc, merci. En fait, c'est une mauvaise communication. Ça n'est fini pour aujourd'hui, vous avez compris ensemble avec moi que c'était un débat purement scientifique et politique avec les têtes pensantes de mon pays. J'ai précisé bien sur ce plateau, j'étais avec professeur Omeonga Onokundji Onakudu,
Onakoudou, prof ordinaire au département de relations internationales, Inikin, directeur du centre de recherche des géopolitiques, géostratégiques et développement durable, Inikin, ancien CG du PRPE. De l'autre côté, M. Inza Omari, au cadre du PPRD, merci également d'avoir répondu à notre... Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Si c'est une prophétie, ce n'est pas mauvais. À la réalisation, j'ai dit un grand merci à Papa Freddy qui était là, à M. Lazik. Également, j'ai dit un grand merci à mon directeur de programme, M. Leka Mouchipay, DRH, Popol Tchongo et à mon DG, Odon Pambou. Merci à vous, sans oublier, à la Maman Nationale. Au revoir.